Ah, bonjour Marilyn et bonjour Laetitia. Bonjour à vous. Voilà Marilyn, donc c'est ta deuxième séance aujourd'hui. La première, c'était en automne 2019. Tu vas nous expliquer déjà qu'est-ce qui a changé dans ta séance et puis pourquoi tu reviens aujourd'hui. Quand j'ai fait ma première séance, c'est sûr que ça m'a aidé beaucoup. Ben, j'avais une grosse pression frontale. Ça a disparu. Puis je riais tout le temps, là, après ma session. J'étais comme sur un petit nuage, sur un petit nuage. Ça a vraiment bien été jusqu'à la COVID arrive, puis comme je me suis senti perdu complètement. Puis voir tout ce qui se passait, bien là, probablement qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur de moi, là. L'acceptation a été difficile de ce qui se passait, là. D'accord. OK. Donc aujourd'hui, tu vas nous voir pourquoi alors? Qu'est-ce que tu as comme... Ah, ben là, c'est mon cou. Mon cou, ça fait plus que 20 ans que j'ai mal au cou. Derrière de la nuque, tout ça. Et quand je me couche, comment je dirais bien ça, les vertèbres de mon cou ne veulent pas relaxer. J'arrive pas à dormir. On l'avait travaillé ça? C'était surtout ma pression frontale qui était importante pour moi dans le temps, là. Et à l'époque, tu n'avais pas ça. Si, ça fait 20 ans. Et on n'avait pas travaillé là-dessus alors. Ben, je l'avais dit, mais ça a pas. Il n'y a rien qui s'est passé côté cou, là. D'accord. Bon, on verra ça. Et là, je dois traîner ma tablette parce que je vais me changer les idées pour être capable de me relaxer et essayer de dormir, là. Mais là, la tablette, j'ai hâte de la fermer à un moment donné aussi, là. Après ça, j'ai comme une lourdeur dans l'estomac. On dirait que toute mon anxiété est centrée sur ça. Est centrée là. Anxiété. J'ai mes yeux, on dirait que j'ai un voile dans mes yeux. J'ai passé un examen. Ils me disent que j'ai rien aux yeux. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose dans mes yeux. Va voir ça. OK. Ensuite. J'ai une douleur qui est apparue de temps en temps dans mon rein droit, dans le bas du dos, là, à droite. Oui. OK. Il y a le Présentement, papa. je suis en train de relever d'une Des grippe, mais calculs. je ne sais Pas de pas. calcul rénaux, non? Non, je pense pas, non. Non. Non, je pense pas. Non, j'espère que non, là. Là, je suis tellement fatiguée. Je relève d'une grippe depuis vendredi, là, puis j'ai l'énergie vraiment à terre, comme on dit, là. J'ai de l'eczéma qui est sorti dans mes mains, puis c'est rendu au-dessous de mes pieds. Donc, main est sous les pieds alors. Ouais, sous les talons. Les talons, d'accord, ok. J'ai un corps plantaire depuis l'âge de 18 ans que j'ai ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose sous la voûte plantaire. Sur la voûte plantaire du pied gauche, j'ai un corps plantaire. Et ça, c'est douloureux si je ne le traite pas moi-même. Donc plantaire Oui. sous la voûte du pied gauche. Hein? Oui, c'est ça. OK. Dans le centre. Là, on m'a dit que je faisais du diabète également. Diabète, OK. Après ça, c'est sûr, j'ai pris du poids depuis la COVID aussi, là. Ça n'a pas été facile, comme on dit. Les enfants me disent que je ronfle beaucoup. Mais si je ne dors pas, c'est sûr que je dois ronfler quand je dors. OK. Et j'ai deux addictions que je veux me débarrasser avant que je quitte mon corps. C'est la cigarette et le vin. Cigarette et quoi? Et le vin. Le vin, ah. Ouais. Et là, tu les avais à l'époque de la séance? Ah oui, je l'avais aussi. Ouais, mais je ne l'ai pas demandé parce que j'étais assez sous pression. Mon front me faisait tellement souffrir que D'accord. on veut tout dire, mais on ne dit pas tout dans ce temps-là. D'accord, Après ça, tout ce que je veux, que ça. Que je vive une vie normale, juste être bien dans ma peau, ça, c'est comme le tout bon le monde. travail. D'accord. Comme tout le monde. Donc, depuis le Covid, tu me dis, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour toi? Tu as eu peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, au contraire, j'ai pas eu peur. C'est la panique des gens que j'avais la difficulté à accepter de voir ces gens-là paniquer, s'enfermer, se masquer. Et moi, c'était pas dans ma nature de faire ça. J'étais comme. J'acceptais pas ça, c'est tout. Je n'étais pas capable de voir mes enfants.
la crainte de ce qui se passait. Puis moi, que j'avais pas peur, là, il me voyait, maman, tu fasses attention, tu peux pas nous coller. Puis là, j'étais comme frustrée. J'ai dit, il n'y en a pas question. Je vais vous embrasser comme je fais d'habitude. En tout cas, j'étais comme dans ma bulle, là, vraiment. Ah oui. Ah oui, j'étais. Et je ne sais pas, quelqu'un aurait pu venir m'arrêter, je m'en foutais carrément. J'acceptais pas ça. Et qu'est-ce qui s'est passé alors, du coup, pour que finalement ça se dégrade alors? Ben, ça se dégrade, c'est parce que je voulais informer les enfants de tout ce qui se passait. Ah, et puis eux, ils ne voulaient pas. Ben, ils m'écoutaient parce qu'ils sont respectueux pour moi, là. Puis, mais je voulais tellement pas qu'ils aillent chercher leur vaccin ou whatever. Mais c'était pas de mes affaires, c'est ça, je peux pas sauver le monde. C'était mon problème toute ma vie, ça. Et alors, ils se sont fait vacciner? Malheureusement. Ah. C'est ça qui t'a affecté, moralement? Oui, ça m'a affecté beaucoup, ça. Ah oui, d'accord. OK, ouais, c'est ça. Ça m'a affecté beaucoup. OK. Ça, on comprend maintenant mieux. OK. Bon, alors au niveau des invitations, qui veux-tu inviter? Je voulais vous dire quelque chose, puis je l'ai mangé. Ah, pardon. C'était quoi? Ça devait pas être important, là. Tu n'as pas fait de liste? Ah ben oui, mais allez, c'est là, mais comme je vous dis, mon énergie est tellement basse là, que on va passer à la liste d'invités. D'accord, attends, je vais regarder quand même en cas où que tu n'aies pas de regrets, parce que... Alors, attends, Marilyn. Hop. Voilà, alors qu'est-ce que tu m'as dit pour... Ah, je ne trouve pas ta liste. Ah, si. Ah, j'ai pas mal tout dit. Hein. Mon inquiétude, c'est de rencontrer. Je voudrais bien rencontrer quelqu'un, mais ils sont tous, la plupart, je veux dire, comment on dit, vaccinés, là. Ouais, je ne vois rien de plus. Hein. Peut-être, j'ai peut-être tout dit aussi, là. J'ai sûrement tout dit. Hein. Le principal, je l'ai dit aussi, là. Eczéma, douleur au cou, les pieds, les mains, diabète, ouais, ben non, je vois rien d'autre. OK. Excuse, Pascal. J'ai des crampes dans les pieds et dans les mains. Souvent, le pouce de ma main va aller par en arrière. Si je travaille de mes mains quand je peinture ou j'ai des crampes dans les mains. Là. Et ben, donc, c'est les pouces qui viennent en arrière, c'est ça? Ben, c'est ça. Il veut s'en aller vers le dessus de la main. OK. Alors, les invitations, donc tes enfants, je suppose. Ah oui, ça, c'est sûr. Les deux enfants et leur famille. Oui. Et deux, ma fille, mon garçon, puis leur conjoint. Oui. Puis mes petits-enfants. Leur famille, quoi, tes enfants et leur famille. Oui, c'est important. Après, tes parents ne sont plus là? Non. Mes parents ne sont plus là. Mes frères, mes sœurs, s'ils veulent venir. Frères et sœurs et leur famille. Mes belles-sœurs. Leur famille. Leur famille, c'est ça. On dirait que je ne veux pas rien oublier. On dit après famille en général? C'est ça. Les amis, là, de cœur, tout ça. Là. Les amis. J'ai un ami en particulier où tu as invité aussi, là. Un ami. Oui. D'accord, en particulier. OK. Donc, les amis de cœur, relations de collègues? Ben là, je suis à la retraite. Là. J'ai tellement déménagé, les amis qui sont à l'extérieur, mais je les invite pareil. Là. OK. Les animaux? Il y a juste ma fille qui a un beau petit chien. On va l'inviter. Alors, on dit animaux. Hein. Hop. OK. Les deux désincarnés, qui choisis-tu qu'on n'a pas vu pour ta séance? Hein? Oui. Maman qui est décédée l'année passée. Ta mère, oui. Puis ma belle-mère, ça fait plusieurs années qu'elle est partie. Donc, la mère de ton mari, c'est ça? Oui. Mère. OK. Bon, ben écoute, je laisse couper le son, puis on part pour ton aventure. J'ai dit mes soeurs, mes frères aussi. Hein? Oui, frères et soeurs. De toute façon, je dis famille en général, comme ça vient qui veut, tu vois. Hein? Ça inclut tout le monde.
OK, c'est parfait, merci. Voilà, t'inquiète pas. Merci. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. Quarante-trois mille. Ok. Combien tu toi, moi, et combien tu me vois? 380. Et je m'aligne sur toi à 43 000. Oui. Donc là, tu es bien au-dessus de la situation? Oui. Parfait. Alors, je te laisse te connecter sur Marilyn. Dis-moi, comment tu l'aperçois? Il y a deux épées de lumière qui la transpercent. En premier lieu, j'ai vu au niveau du plexus, mais l'épée de lumière arrive par derrière. Enfin, l'épée énergétique. Hein. Je dis lumière parce que ça brille, hein, mais c'est énergétique. Hein. Ce n'est pas la fréquence. Hein. Donc, il y a une épée énergétique qui la transperce au niveau du plexus. Donc, c'est par derrière, au niveau du dos. Et ça s'arrête juste devant, là, on va dire l'estomac, ça ne la transperce pas. Hein. C'est juste que ça s'arrête devant la physicalité. Et l'autre épée, c'est aussi pareil derrière, donc juste au-dessus des cervicales, ça rentre au niveau des yeux, je dirais. C'est un tout petit peu en dessous du chakra troisième œil. Par contre, là, je vois cette épée énergétique qui la traverse, en fait. Donc, je la vois jusqu'à devant, comme ça. Plusieurs centimètres devant elle. D'accord. Donc, ça passe par en dessous le troisième œil, les yeux, et ça va dans le cervical. Donc, c'est en diagonale, alors. Comme ça, ouais. Ah ouais. En diagonale, c'est-à-dire, oui. Oui, je ne vois pas trop la diagonale, mais... En fait, oui. Je ne sais pas trop pour la diagonale. Comme les yeux, c'est en haut, et les cervicales, c'est en bas. Ça passe directement, donc... Ah oui, mais comme moi, je voyais en fait une ligne droite, effectivement. Ça passe là, juste au-dessus des cervicales, là. Voilà. Et en fait, pour moi, ça fait comme une ligne droite. Donc, effectivement, je vois pas trop si ça fait une diagonale, mais je vois que ça traverse, en fait, toute cette partie-là, juste en dessous, en fait, du troisième œil, mais c'est au niveau des yeux. D'accord, ok. Ça la projette jusque devant. En fait, c'est comme un système d'accroche, c'est... C'est comme si elle était accrochée à cette énergie-là, comme quand on accroche un manteau. D'accord. Voilà. Okay. Alors, je vais prendre un peu plus de distance pour mieux regarder. Oui, donc j'ai le terme déséquilibré en bas de sa physicalité, c'est-à-dire que cette, on va l'appeler l'épée, déséquilibre au niveau des hanches, la physicalité. Donc, ça la désancre. Et effectivement, comme l'effet d'un manteau, le manteau ne touche pas à terre puisqu'il est accroché. Donc, elle est désancrée par rapport à la 3D. D'accord. Ses membres sont... Enfin, en tout cas, la circulation est très faible au niveau énergétique, mais aussi après, par conséquence, au niveau des systèmes. Voilà. Et je parle au niveau des systèmes de sa physicalité, mais du inférieur, de tout ce qui est membre inférieur. À partir des hanches, en tout cas. En tout cas, pour cette épée, ça donne des désordres aussi au niveau du ventre, au niveau du chakra sacré. Ça déséquilibre, en tout cas, les chakras qui sont en dessous. En tout cas, cette épée-là, donc c'est vraiment une accroche à ce niveau-là. Ensuite, alors il y a cette... Ah oui, je vois une entité déjà derrière elle. Ok. Et en fait, c'est comme si elle était capturée, en fait. Il n'y a pas un objectif précis à part juste la capturer et la décharger. Voilà. Décharger quoi? Décharger son énergie vitale. Ah. Et toutes ces énergies de ses corps qui sont emprisonnés. Enfin, les corps subtils qui sont accrochés et emprisonnés là. Jusqu'au quatrième corps, je vois, que c'est emprisonné. Ensuite, la partie subliminale, elle est en dehors de ces accroches-là. Alors, c'est comme si, voilà, quand j'ai observé la partie subliminale, c'est comme si
J'observais Marilyn dans une bulle, donc dans une sorte de prison, voilà, je peux dire ça comme ça, mais donc le système d'accroche la met dans une bulle. Donc elle est en dehors, la partie subliminale, elle ne peut pas réatteindre ses quatre derniers corps, en tout cas. Il y a une fréquence spécifique à l'intérieur, parce que quand j'ai observé cette bulle énergétique que provoquent les accroches, c'est des énergies magnétiques en fait qui la transpercent partout dans cette bulle, comme ça. Donc c'est ce qui épuise en fait toute son énergie vitale. Donc c'est magnétisé, on va dire, à l'intérieur. Du coup, ça la démagnétise, elle. Je vois, comment dire, au niveau des mains, par exemple, c'est comme si c'est. Voilà, elle a parlé de crampes, voilà, c'est ce qui me vient. C'est comme si ça. Par conséquent, ça démagnétisé, ça crée des tensions, en fait, on va dire. Parce que la main n'arrive pas à se mouvoir Ça correctement. crispe, tu veux dire, ça crispe, c'est La ça? crise, voilà, elle n'arrive pas à se mouvoir correctement à ce niveau. Ensuite, il y a des connexions donc tertielles qui sont coupées à ce niveau-là, ainsi que son sensoriel, donc surtout au niveau des yeux, qui est impacté. Alors pour les oreilles, il y a pas vraiment, c'est pas vraiment de la douleur, mais je vois comme un décalage en fait de réalité, comme quelque chose qu'elle n'est pas écoutée ou entendue. Ça crée un décalage en fait, cette énergie-là, cette épée qui est située à ce niveau-là. Donc voilà, je regarde s'il y a autre chose. Non. Alors il n'y a pas vraiment, sinon, il n'y a pas vraiment de système GPS, mais c'est juste les fréquences de cette épée-là qui émet des ondes en fait, qui D'accord. permet de la À repérer. capturer. Voilà, c'est plus pour la capturer d'ailleurs. Bien. Alors, qui est derrière tout ça? Du coup. Alors, je vois une seule entité derrière qui ressemble à un insectoïde de fourmi, je dirais. Elle est derrière ce dispositif. C'est elle qui s'en occupe de la maintenir Elle est là. toute seule? Alors, si je vais un peu plus loin, elle est. Alors, sur Marilyn, oui, on va dire. Mais sinon, elle agit en collectivité avec d'autres fourmis. Comme une sorte de batterie en fait, comme si c'était une batterie pour leur vaisseau. D'accord. Et c'est quoi ton objectif, à part de se servir de son énergie pour le vaisseau? Et ben, elle sert juste à ça, parce qu'elle a été repérée dans un espace-temps à un moment donné, dans une fréquence qui fait qu'on a pu la capturer et la mettre dans cet espace-là pour servir de batterie. D'accord. Alors, on va regarder depuis quand. Je compte à trois, tu y vas la toute première fois. Un, deux, trois. Alors j'ai le terme 3. J'ai exactement 3 années là, qui me vient. Avant, elle n'était pas là, cette batterie-là, en tout cas. 3 ans. Ok. Ok. Donc, c'est-à-dire dans Oui. les années 2019, quoi, ou plus tard. Voilà. 3 ans, 19-20. 2020, je dirais. Ouais, d'accord, ok. Alors, est-ce que ça a eu lieu au moment, justement, regarde, au moment de l'histoire du code de la Covid, là, où elle a eu cette réaction elle-même? Alors, c'est juste après, oui, enfin, en tout cas, Covid, ça a duré longtemps, hein, dans le temps linéaire, mais en tout cas, c'est juste après, on va dire, fin d'année 2020, c'est-à-dire juste après les gros confinements qu'on a pu connaître au niveau mondial. D'accord. Juste après, juste vraiment après, quoi. C'est-à-dire OK. qu'elle s'est mise dans une fréquence. Elle s'est mise dans une fréquence particulière à ce niveau-là, en plus de la fréquence de la Terre aussi, parce que je vois aussi qu'il y a des cycles de fréquences basses à ce moment-là, en 2020, de la Terre en général. Et du coup, c'est ce qui
a permis de se faire repérer par ces fourmis, voilà, rapidement en tout cas, dans les fréquences, servir de batterie. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la fin de la séance qu'on a fait ensemble. Tu vas à la fin de la séance. Oui, je suis dans une autre énergie. Comment tu la vois à la fin de la séance là? Je suis dans une autre énergie, je me sens respirée, je me sens calme, sereine. Je me sens bien. En tout cas, il y a d'autres fréquences. Alors maintenant, elle va avancer en direction de ces événements, mais avant d'y pénétrer, sachant maintenant ce qui va se passer, elle va prendre des dispositions pour que ces événements n'aient aucun impact sur elle. Oui. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire? De maintenir cette fréquence élevée. Ok, de quelle manière? En gardant l'intention et la force, je veux dire la puissance intérieure au niveau psychisme aussi. C'est surtout avec l'intention en fait. Bien. Donc en même temps, puisque ces enfants étaient en jeu par rapport aux vacciculations, donc, quelle attitude elle a maintenant par rapport au choix de ses enfants de se faire vacciculer? C'est ça qui est important. Elle a pris du recul et leur choix ne la touche pas, ne la touche plus, en tout cas. Voilà. Ok, bien. Alors, elle prend le temps de ressentir cet état d'être avec ses décisions, avec ce recul. Oui. Et elle va traverser les événements donc, de ce Covid. J'aimerais savoir comment elle traverse ces événements. Elle reste centrée, je dirais, alignée à travers le temps qui passe dans ses énergies de basse fréquence. Mmh. Ok. Donc, elle ne juge plus la situation. Non. Elle ne succombe plus, je dirais. Bien. Donc, maintenant, elle va remonter le temps. Jusqu'à ici et maintenant, et toutes les minutes de sa vie vont se reprogrammer à cette énergie, à cette conscience, à cette attitude. Jusqu'à ici et maintenant. Oui. J'ai vu des liens à couper. Très bien. Des liens avec qui? Avec des idées reçues et des croyances. C'est des liens comme des liens d'attachement aussi qu'elle a gardés. Donc la sensation de ne pas être entendue, de ne pas être vue, de ne pas être comprise, de ne pas avoir confiance en elle, etc. Ok, alors elle va couper tous ces liens. 1, 2, 3. Oui. C'est bon? Bien. Donc, elle arrive ici et maintenant, et comme un téléchargement, donc elle, dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie similaire et toutes ses parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Comment la vois-tu maintenant? Il y a comme une... accélération en fait de mouvement. Elle se sent, elle se réinforme déjà dans cette accélération-là et elle se sent bien. Et il y a comme une force intérieure maintenant qui arrive jusqu'à maintenant, ici et maintenant en fait. Parfait. Cette force intérieure-là. Ok. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment tu le vois? Il a été tacheté d'un côté, je dirais le côté... En fait, je vois des taches noires côté droit. Et c'était lié, je dirais, à sa situation, en fait. Et même par rapport à ses enfants ou à sa famille en général, en fait, de ces trois dernières années. Les taches noires côté droit, donc côté droit, ça veut dire c'est le côté masculin? Oui, c'est comme s'il y avait des champignons, voilà. D'accord, et qu'est-ce que ça crée comme problème aux âmes de s'aligner? Ça les a déconnectés d'une seule et même réalité. Donc ça décale les âmes de s'aligner avec Marilyn.
ça décale la réalité. C'est juste un décalage de réalité que ça a créé. D'accord, ok. Comment tu vois que ça a impacté Marine? Elle se sent isolée. Il y a une fatigue aussi, c'est ce qui me vient. Il y a une fatigue intérieure aussi qui s'installe. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Alors, tu vas à l'origine de cette situation. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, il y a 3 ans en arrière, c'est ça à peu près? Oui, c'est ça. Hein? Alors, à la louche, hein? Ok. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bah, c'est son énergie qui a changé au niveau de Marilyn et qui a impacté indirectement ou directement l'arbre, parce que je vois aussi les consciences comme ses enfants aussi qui. C'est comme si ses enfants avaient changé de ligne de temps aussi par rapport au Covid en fait. Et que c'est aussi ça a aussi impacté l'arbre à ce niveau-là. D'accord. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Voilà, tu vas à l'origine de cette situation. 1, 2, 3. Oui. Bon, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré et non encore altéré? Impacté. Oui, ça y est. Ok. Tu te présentes à lui à ce moment-là. Tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir. Et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? De garder les fréquences dans lesquelles il se trouvait là, c'est-à-dire des hautes fréquences, pour ne pas se sentir impacté par les âmes. Bien, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui à présent et toutes les âmes qui y sont accrochées? Les champignons disparaissent, il se reconstruit et il garde cette fréquence-là haute, ainsi que toutes les âmes. Comment vois-tu que ça impacte maintenant Marine? Alors, elle reprend de la vitalité, elle a de la compréhension aussi par rapport aux âmes, aux consciences de sa lignée, et la réalité aussi qui se réinforme en une seule et même réalité, donc il y a une communication saine qui se crée. Ok, avec ses enfants et tout ça. D'accord. Bien. Donc, est-ce que je peux lui demander si elle peut envoyer, si elle peut créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui. Allons-y. Oui, c'est bon. Voilà, maintenant, regarde son ADN. Combien est-ce que tu vois déjà, est-ce qu'il a été trafiqué ou pas? Non. Bon. Combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées? Déjà, qu'est-ce qu'elle veut faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à neuf. Elle le refait à neuf? Avant de le refaire à neuf, tu vois combien d'hélices là? Combien sont connectées, combien sont activées? Il y en a six. Elles sont six et six connectées. Ah d'accord, ok. Bien. Donc, pour le refaire à neuf, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précitées, hein, si tu vois ce que je veux dire. Oui. On reprend la formule, même si ça n'a pas été évoqué maintenant. Et on élimine l'ancien donc dans les mêmes conditions que précitées. 1, 2, 3. Décidément, j'ai du mal à trouver mes mots. C'est bon. C'est bon? Regarde si tu en vois en arrière-plan. Non. Alors elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans sa version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Voilà, maintenant combien est-ce que tu vois d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées? Il y en a 7 et 6 connectés. Est-ce qu'elle peut connecter la septième? Oui. Allons-y. C'est bon. Bien. Maintenant, est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Sécuriser, renforcer sa base énergétique, quelles que soient les fréquences. C'est bon. C'est bon, ok. Maintenant, on va s'occuper des programmes archontiques et de ceux de l'intelligence artificielle. Tous les programmes de limitation, séparation, dualité
etc. Tout ce qui limite l'expression, l'expérience, la manifestation, l'expansion humaine de sa conscience, ainsi que de toutes ses autres parties. Est-ce qu'elle est OK avec ça? Oui. Alors, on les élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde si tu en vois encore en arrière-plan. Non. Regarde si tu vois des programmes spécifiques liés au manque. Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. À la limitation. Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. Oublie. Oui. 1, 2, 3. Oui. Peur. Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. Insécurité. Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. Loyauté. Oui. 1, 2, 3. Oui. Légitimité. Oui, il y en a. 1, 2, 3. Oui. L'estime, la valeur et l'image de soi. Oui, il y en a. Idem. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde si tu en vois encore en arrière-plan. Non. Elle les remplace par ses propres programmes avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issu de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, on va demander à sa partie morentielle quels sont ses projets pour la vie de Marilyn. J'ai le terme « rester centré », quelles que soient les situations, les événements dans cette incarnation-là. Très bien. Donc là, elle est dans l'ici et maintenant. On a vérifié l'ADN. Oui. On a vérifié son arbre. Oui. Et elle est dans l'ici et maintenant avec ses nouvelles conditions. On est d'accord? Oui. Donc elle va enrouler cette ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Voilà. Et maintenant, on va éliminer l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, dépassés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde, prends du recul, regarde globalement si c'est correct jusqu'à maintenant. Oui, je vois la ligne de temps, la sinusoïde, ok, la source, elle est connectée. Oui, c'est bon. Ok, donc pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique, et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc à ce stade-là, j'arrête l'enjeu. Et je vais conseiller à Marilyn d'être pleinement présente, participative et active pour tout le processus qui va suivre jusqu'à la fin de la séance. C'est-à-dire vivre, ressentir, imaginer au maximum et acquiescer à tout ce qui est proposé pour faciliter les intégrations. Rompre et effacer tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Oui. Rompre avec les lois matricielles et archiavéliques, les lois du karma, avec tous les archétypes et les égrégores, ainsi que les lois de conséquentialité pour toute la séance, comme précité. Oui. En ce qui nous concerne, nous rompons également les lois de conséquentialité pour toute la séance et sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Nous éliminons toutes les programmations d'auto-sabotage, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Effacer les peurs, les traumatismes, les doutes, les croyances limitantes et les pensées racines. Couper avec tous les mécanismes de contrôle venant de l'extérieur de son être qui empêchent, entravent, limitent sa liberté, son autonomie,
son unité, son discernement, sa souveraineté, sa créativité illimitée, sa puissance originelle et son auto-guérison, ainsi que son équilibre parfait sur tous les plans. Oui. Vérifie s'il y a des copies ou des parties d'elle quelque part. Non, c'est bon. Alors, elle intègre tout ça dans ses différents états de conscience. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare officiellement qu'à partir de maintenant, l'usage exclusif de mon canal, de tous mes canaux de perception, de tous mes corps et de mon essence est réservé à l'énergie christique et à toutes les instances issues de ma propre source et rien ni personne d'autre. Oui. Elle rajoute, j'exige et j'ordonne à toutes les entités, leurs contrats, pactes, etc., à leurs organisations et associations auxquelles je renonce, de cesser d'agir et de quitter mon champ d'énergie et de création, maintenant et à jamais, de manière rétroactive, en menant avec eux tous les contrats, pactes, dispositifs, implants, technologies de toutes sortes et les énergies reproductives connues et inconnues. Oui. À présent, nous allons aborder la dimension psychologique. Si tout ne concerne pas Marilyn, tout y est proposé, c'est elle qui fera le tri. Elle déclare « Je me libère de toutes mes tendances à paniquer pour des riens, à m'offenser facilement, ainsi qu'à m'impatienter inutilement. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à tenir rancune aux autres ou à m'en vouloir à moi-même pour quoi que ce soit. » Oui. « Je me libère de toutes mes tendances à ruminer mes déceptions et à ne pas complètement aimer la vie que je mène. » Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me critiquer et à me juger âprement pour tout motif qui soit. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à la neurasthénie ainsi qu'à l'épuisement moral et physique. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir en danger dans la vie et à avoir peur de l'avenir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me faire des soucis et à manquer de concentration sur les tâches que je veux accomplir. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me révolter contre ce que je ne suis pas en mesure de changer. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'intolérance envers moi-même ou envers qui ou quoi que ce soit d'autre. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à me sentir coupable de quoi que ce soit et à toujours tout vouloir contrôler. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à l'agressivité et à m'emporter contre moi-même ou contre les autres. Oui. Je me libère de toutes mes tendances au pessimisme et à croire que le monde va complètement de travers, même si c'est vrai. Oui. Je me libère de toutes mes tendances à sombrer dans la tristesse et le désespoir. Oui. Je me libère de ma tendance à me croire vulnérable. Oui. Je me libère de ma tendance à me victimiser, à me croire incomplète et impuissante, incapable, indigne et sans valeur. Oui. Et je me libère de toute identité dans la forme, quelle qu'elle soit, le « je » dans la forme humaine ou autre n'est pas qui je suis vraiment. Oui. À présent, elle déclare « Je possède une force innée qui me donne la puissance pour transformer mon existence d'une manière qui m'est profondément bénéfique. » Oui. « Je suis en charge de ma destinée et choisis à présent de me délivrer de mes souffrances intérieures afin que mon avenir soit baigné de joie, de bonheur, de santé, d'équilibre, de succès, de créativité, d'amour, d'abondance, de plaisir, et j'en passe des meilleurs. » Oui. « En me libérant de ce qui me fait souffrir et en cessant de me faire souffrir à propos de qui ou de quoi que ce soit, je maîtrise ma vie et fais venir à moi tous les bienfaits que j'en attends et que surtout je co-crée. » Oui. Car je comprends que je suis entièrement créatrice de ma réalité, donc responsable, d'autant plus que maintenant, je suis libre et que j'ai compris. Oui. À présent, le protocole du pardon. Elle déclare, de mon plan humain et des autres s'il en est, je demande pardon à tout ce qui a besoin d'être pardonné et à tous ceux qui sont concernés. Oui. Je me pardonne totalement en tout et pour tout. Oui. Et je pardonne totalement à tous et pour tout, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques et fractales, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et je comprends que du point de vue supérieur, que tout est illusion et scénario, que chacun fait de son mieux, et qu'il n'y a que les innocents
compte tenu des systèmes matriciels en place, et qu'en définitive, il n'y a rien à pardonner à personne, que tout est dans la perfection et que chacun est à sa juste place dans son propre apprentissage. Oui. Je sais maintenant que toutes les imperfections font partie de la perfection et que je suis libre de ne voir que cette dernière, d'autant plus que c'est beaucoup plus productif. Oui. Je sais également que la vie n'est qu'un grand jeu et un grand théâtre, et j'entends la reprendre entièrement en main et en profiter pleinement. Oui. À présent, elle déclare. Je déclare et j'affirme ma pleine autorité, souveraineté et puissance créatrice dans ma légitimité divine sur tous mes plans de réalité et dans toutes mes bulles de création. Oui. Je suis le maître de mon jeu et de ma scène. Oui. Voilà. Maintenant, nous allons effacer les mémoires akashiques. Elle ne conserve bien sûr que ce qu'elle estime juste et bon pour elle, et nous éliminons tout le reste dans les mêmes conditions que celles précitées de l'ancienne ligne de temps avec tout ce qui a été dit et déclaré. 1, 2, 3. Oui. Vérifie s'il reste quelques traçages ou marquages matriciels ou archaïques ou tout autre moyen de la repérer. Non. Alors, elle entre dans tous ses corps comme un téléchargement jusqu'au plan biologique, jusqu'à la moindre cellule, atome, particule. Oui. Elle fait connaissance avec l'élémental de son corps, comme on la voit-tu de ton côté. Elle est de forme humaine. Elle crée les connexions avec la fleur de vie et la graine de vie. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Elle lui demande de procéder aux harmonisations, rééquilibrages, réajustements, auto-nettoyage, auto-guérison, etc. de tous ses corps, de sa biologie, de tous ses systèmes, fonctions, organes. Oui. Pour cela, nous connectons l'eau de son corps à l'eau primordiale, avec dans chacune des molécules une fleur de vie, une graine de vie et un double demi-scate activé. Oui. Connecter la cellule mère de son corps à la cellule primordiale. Oui. La molécule mère à la molécule primordiale. Oui. L'atome mère à l'atome primordial. Oui. L'électron mère à l'électron primordial. Oui. Le proton mère au proton primordial. Oui. Le neutron mère au neutron primordial. Oui. Le neutrino mère au neutrino primordial. Oui. Le tachyon mère au tachyon primordial. Oui. Les particules quantiques mères aux particules quantiques primordiales. Oui. La particule adamantine mère à la particule adamantine primordiale. Oui. La particule de lumière mère à la lumière primordiale. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Connecter et informer la cellule mère au soleil central. Oui. Désactiver tout ce qui est magnétique et électromagnétique en dehors de ses propres champs naturels, bien sûr. Oui. Éliminer toute restriction en regard de la lumière originelle, de la pulsion de la lumière originelle du soleil central sur le plan donc cellulaire. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Installation de programmes anti-ondes des fréquences nuisibles avec les couches supplémentaires. Oui. Un contre les influences de la conscience collective avec le corps diamantin. Oui. Un contre les influences lunaires et toutes ses phases. Oui. Un contre toute substance nocive à l'intérieur, sur et autour d'elle, quelle qu'en soit la nature, l'origine et l'époque. Oui. Un contre les nuisances des ordinateurs et de l'intelligence artificielle sous toutes ses formes. Oui. Un contre la vacciculation. Oui. Et un contre les vacciculés, quelles qu'en soient les versions reçues. Oui. Que tous ces programmes soient stabilisés et indestructibles. Oui. Pour ce faire, qu'ils soient adaptables à chaque situation, y compris aux variations des lignes temporelles. Oui. Voilà. Maintenant, donc, installation de l'arbre de création et activation dans les deux sens. Oui. Installation de fleur de vie, graine de vie et double demi-scate activé. Oui. Et elle crée son code de vie et l'active également. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale. Donc, que tout soit stabilisé, sécurisé, pérennisé, concrétisé, bien sûr. Oui. À présent, nous travaillons sur l'atlas et la colonne vertébrale.
Dans un premier temps, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Pour chacune des parties. Oui. Que chacune d'elles soit connectée au chakra cardiaque pour recevoir amour et force de vie. Oui. Au cœur de Gaïa pour recevoir énergie, substance, vitalité et structure. Oui. Et à la source pour recevoir information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Et je vais conseiller à Marilyn de visualiser, imaginer, ressentir au maximum pour faciliter les intégrations. À toi de jouer. À partir de son chakra cardiaque se déploie une onde puissante et tourbillonnante de couleur dorée qui vient englober tout son espace physique et énergétique dans une sphère sécurisée. Elle se place au centre et déplace tout doucement son atlas qui libère une onde puissante descendant le long de la colonne vertébrale, reliant et réinitialisant les vertèbres entre elles ainsi que les organes et systèmes associés. Arrivée en puissance au niveau du coccyx, elle pulvérise et expulse des amas denses et sombres hors de la sphère sécurisée. Ce sont des mémoires traumatiques. C'est fait. Elle enroule sa colonne vertébrale avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issue de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Je propose à son élémental l'ensemble des systèmes principaux pour lesquels il travaille pour chacun dans le détail et dans le global, et ensuite dans la globalité de tous les systèmes en lien, relation et synergie les uns avec les autres. Oui. Pour chacun, il procède par annule et remplace. Oui. De l'autre côté, nous éliminons toute trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, etc. pour chacun des systèmes sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun d'eux soit recréé à neuf avec le gabarit de création dans sa version originelle. Oui. Et qu'il soit connecté au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Système cérébrospinal. Oui. Nerveux. Oui. Sanguin. Oui. Lymphatique. Oui. Énergétique des méridiens. Oui. Osseux, squelette, articulation, cartilage, tout ce qui est afférent y attenant. Oui. Musculaire. Oui. Cardiovasculaire. Oui. Respiratoire. Oui. Endocrinien, glandes, immunitaires et hormonales. Oui. Digestif et métabolique. Oui. Urinaire, émonctoire, évacuation, élimination. Oui. Reproducteur et sexuel. Oui. Système des cellules, de la peau et des tissus spécialisés. Oui. Système des cinq sens et des sens extrasensoriels. Pour chacun, on élimine toutes les programmations sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Pour le système extrasensoriel, protection et sécurisation de chacun des canaux et activation. Sécuriser et activer. Système visuel. Oui. Auditif. Oui. Olfactif et gustatif. Oui. Kinesthésique. Oui. Système dentaire et tableau général. Oui. Système bioélectrochimique. Oui. Équilibre acido-basique. Oui. Cycle vitaux organique et systémique. Oui. Tableau général de tous les systèmes. Oui. Que chacun d'eux soit stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. À présent, c'est l'ostéopathie générale au plus près de la physicalité. Oui. Elle se sert d'une sorte de diapason multifréquentiel qui vient accorder chaque vibration sur chaque organe, système, qui crée des résonances dans chaque tissu, tendon, muscle, cartilage, jusqu'au cœur des cellules. C'est toute sa physicalité qui se place dans un nouvel équilibre, un nouvel état d'être. C'est fait. Microkiné. Elle actionne des points de correspondance qui déploient harmonieusement ses corps subtils. C'est fait. Massage métamorphique. Elle adapte à ses propres fréquences cette onde d'énergie toujours disponible. C'est fait. Fasciathérapie. Réajustement et rééquilibrage des fascias dans toute sa physicalité. C'est fait. Alors, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui.
Nous abordons à présent les systèmes des chakras et des glandes associées. Tout d'abord, que chacun des chakras soit connecté au cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Que chacune des glandes soit décalcifiée, nettoyée, activée, interreliée et optimisée. Oui. Au sein de chacun des chakras, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Chakra secondaire, idem. Oui. Souterrain. Oui. Aérien. Oui. Les corps associés aux chakras principaux, combien en comptes-tu? Il y a 7. C'est bon. Centrage et alignement. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Nous allons procéder à l'élimination des sanskaras, les mémoires de souffrance. Je te laisse les rassembler, tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Alors, on les élimine sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan? Non. Bien, alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, regarde les programmes de vieillissement au sein de son ADN, des cellules, de sa biologie. Pour cela, nous allons utiliser la loi de l'inversion pour en faire des programmes de rajeunissement et de régénération. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Harmonisation et rééquilibrage des 5 éléments. Et on commence par l'élément terre. Oui. Air. Oui. Eau. Oui. Feu. Oui. Et terre. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. À présent, le féminin sacré et le masculin sacré. Elle déclare que tout ce qui empêche le ressenti, l'expression et les manifestations du féminin sacré et du masculin sacré sur tous les plans soit éliminé d'une manière fractale, multidimensionnelle et quantique, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation 1, 2, 3. Oui. Que les polarités soient rééquilibrées pour les mettre au point zéro. Oui. Voilà. Et pendant que son mental continue le travail, nous allons prendre sa liste. Mais auparavant, on va faire le tour de tous les systèmes, d'abord globalement, ensuite individuellement, et ensuite nous abordons ces points. D'accord? Oui. Bien. Donc, globalement, quand tu regardes tous les systèmes, que vois-tu à éliminer? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations d'habitude de fonctionnement, des programmes de compensation, et il y a des programmes qui sont créés artificiellement aussi. Alors, on les élimine sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Et réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, regardez le système endocrinien, immunitaire, hormonal, glandulaire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Une mémoire traumatique, des programmes de compensation et de créer artificiellement aussi. Alors, on élimine également sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé, ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, on va regarder sa glande pinéale avec la production de valantonine, cette hormone qui régit tous les cycles biologiques, y compris veille-sommeil et les systèmes d'auto-guérison. J'aimerais que tu me dises, ici et maintenant, à quel pourcentage vois-tu qu'elle est produite? 37%. Elle était à combien avant la séance? 28. Ah oui. Donc tu vas la programmer pour être à 100% tout en tenant compte des variations nécessaires à la biologie. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, maintenant système neuronal, nerveux central, ORL visuel et respiratoire. Que vois-tu à éliminer pour chacun? Il y a des empreintes traumatiques, des programmes d'habitude de fonctionnement et de compensation de l'élémentaire. Alors on élimine tout ça sur tous les plans,
Comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Un apport d'énergie et de vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retisser tout ce qui doit l'être. Oui. Et maintenant, regarde l'équilibre du cerveau droit-gauche. Rééquilibré. Alors, allons-y. C'est bon. Vois-tu des reconnexions à faire ? Oui. Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade, jusqu'à la dernière. 1, 2, 3. Oui. En vois-tu d'autres en arrière-plan ? Non, il n'y en a pas. Alors maintenant, regarde système neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire ? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Toujours système neuronal, mais les zones plus spécifiques qui concernent la mémoire, les systèmes cognitifs, les systèmes perceptifs et ceux de la communication. Vois-tu des reconnexions à faire pour chacun ? Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Système nerveux central, en vois-tu ? Oui. 1, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire. Oui. Idem. 1, 2, 3. Oui. Et que tout soit harmonisé, stabilisé, sécurisé, pérennisé et concrétisé. Oui. Voilà. Maintenant, système circulatoire, sanguin, lymphatique, énergétique. Que vois-tu éliminer pour chacun ? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des habitudes de fonctionnement, des programmes de compensation de l'élémental avec des programmes qui sont créés et générés artificiellement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, que chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Un apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligner et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, maintenant système digestif, métabolique et tous les systèmes d'élimination. Que vois-tu à éliminer pour chacun ? Il y a des mémoires traumatiques avec écho et résonance. Il y a des programmes de compensation et d'autres qui sont générés artificiellement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties, chacun des systèmes et l'ensemble soient reconnectés et réinformés. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retisser ce qui doit l'être. Oui. On harmonise, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, nous allons pouvoir aborder ces points. Donc, le premier qu'elle a évoqué, c'est depuis le Covid. Donc, elle a perdu totalement. Elle a vu les gens paniquer, ses enfants vaccinés. Bon, on a vu ça tout à l'heure. Est-ce que ça vaut le coup d'y revenir ? Non. C'est bon. On a fait ce qu'il fallait, là, pour de ce côté-là. Il n'en reste plus rien. On est d'accord ? Non. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'elle est mal au cou, à la nuque, depuis une vingtaine d'années ? Alors, des liens, il y a des liens. Alors déjà, il y a une ancienne situation énergétique, mais pas celle-là, parce que celle-là, elle se rajoute comme une couche, je dirais. Ouais. Il y a une autre ancienne situation énergétique. Mais il y a aussi des liens avec des mémoires antérieures et avec l'arbre aussi familial, je ne sais pas pourquoi encore. C'est relié là au cou. Alors, regarde au niveau de l'arbre. Il faut qu'on ait la compréhension. Regarde en quoi c'est relié à l'arbre. J'ai comme la symbolisme donc de voir certaines âmes plier le cou, c'est-à-dire se soumettre. Voilà, je cherchais le mot. Ah, d'accord, ok. C'est comme une sorte de soumission. Je dirais même face, alors j'ai le terme, hein, face au patriarcat. Je ne sais pas pourquoi ça me dit ça comme ça. D'accord. Donc là, bien sûr, on est sur une ligne de temps. Oui. Là, est-ce que tu vois qu'au niveau de l'arbre, c'est réglé ou pas ça?
ou tu vois des énergies spécifiques? Oui, il y a des énergies spécifiques. Ben, c'est les liens qui sont toujours là, en fait. C'est Ah, d'accord. Donc juste. déjà, elle va couper tous ses liens déjà, hein, avec l'arbre. Allez, 1, 2, 3 sur toutes les plantes, comme précédé. Ah oui. Regarde si tu en vas encore en arrière-plan. Non. Voilà. Et après, donc, tu m'as dit par rapport à des vies passées, c'est ça? Des mémoires antérieures, oui, parce que j'ai eu une tête coupée, par exemple, Ah, d'accord. dans une vie antérieure avec une épée. Ce Il qui y a peut d'autres. ressembler à l'épée énergétique, d'ailleurs, dans laquelle elle se trouvait, j'avais envie de dire comme par hasard, mais par loi d'attraction, plantée en fait là. Parce qu'ils auraient pu planter un peu plus haut, enfin, je sais pas, peu importe leurs accroches. Mais par loi d'attraction, ça s'est mis même en place. Va voir cet événement où on lui a tranché la tête. J'aimerais savoir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui s'est passé. Je suis dans les Chevaliers, quelque chose comme ça. Nous sommes où là? Dans le nord de l'Europe, je dirais, ce qui ressemblerait à l'Angleterre aujourd'hui. Ouais. Et il est, parce que c'est un homme, comme un chevalier qui se fait couper la tête par trahison, en fait. Alors, on l'accuse de trahison, mais il a été trahi. D'accord. Il a été trahi par qui et pourquoi? Par des amis, si je puis dire, des chevaliers comme lui, et pourquoi? Pour des intérêts, pour du pouvoir, pour qu'il D'accord. soit course. Donc du coup, il a été exécuté Oui. à l'épée. À l'épée, oui. On est à peu près dans lesquelles années là? 1484. Ok. Bon, alors maintenant qu'elle a l'information, elle va couper tous les liens avec cette existence. Ok. Et puis, il y a eu sûrement d'autres vies où il y a eu des schémas récurrents comme ça en lien avec le coup. J'ai une sorte de liane, alors c'est pas une pendaison, mais une sorte de liane qui est autour de son cou aussi, dont qui l'étouffe, quoi, qui est en train de l'étouffer. Et d'où elle vient cette liane? De la jungle. En fait, enfin, comment je peux dire, Marilyn, dans cette mémoire antérieure, vit dans une sorte de jungle, je sais Ouais. pas, tropicale, dans un pays tropical, tu vois. Et alors, là, je vois pas que c'est un assassinat, je dirais plus que c'est un accident, en fait. Tu veux dire qu'il y a une liane qui s'enroule autour de son cou? Qu'est-ce que je comprends pas? C'est-à-dire qu'elle tombe, elle tombe dans un piège, en fait. Ah, d'accord. Il y a des sortes, alors c'est en Amérique latine, il y a des sortes de pièges qui sont installés, je sais pas, dans l'Amazonie, par exemple. Et je ne sais pas exactement comment elle essaie d'attraper la liane, j'en sais rien, pour pas tomber, je ne sais pas. Et en fait, elle s'enroule, c'est comme un accident, en fait. D'accord, et elle s'étrangle avec la liane, quoi. Quelque chose comme ça, oui. D'accord, ok. Bon, il y a d'autres situations comme ça, sans vouloir faire l'inventaire total, mais bon. Oui, il y a d'autres Donc elle va. situations, donc je vois des mémoires à chaque fois. Là, je la Voilà. vois fœtus, je la vois bébé aussi avec un cordon autour du cou. D'accord, ok. Bon, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire l'inventaire de tous les liens. Hein. Elle va tous les rassembler. Oui. Et elle va tous les couper. Allez, sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, en l'occurrence, de ces épées qu'on a vues plantées, qui ne doivent plus être là, bien sûr, puisqu'on a changé la ligne de temps, est-ce que tu veux qu'il en reste quand même quelque chose? Oui, c'est comme des traces énergétiques Oui. par loi d'attraction, oui. Ok. Donc, à part ça, tu vois d'autres choses à éliminer? Ben, on a fait le tour entre les liens transgénérationnels et intérieurs, c'est bon. Plus ça, c'est plus les mémoires traumatiques Voilà. et les programmes de loi d'attraction, en fait. Je peux appeler ça comme ça. Bien. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Comme précité. 1, 2, 3. Oui. Regarde en arrière-plan s'il en reste quelque chose. Non. Alors, elle va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie, vitalité.
Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé ce qui doit l'être. Oui. Comment vois-tu son cou maintenant? Irrigué, j'ai envie de dire. En fait, c'est comme si ça me tournait la tête, j'ai envie de dire. J'ai comme des sortes de vertiges, mais c'est juste parce que c'est en train de se rééquilibrer ou de... Tu sais, comme quand on respire, poumon, voilà. Comment okay. Je vois son... Bon, on invite quand même son alimentaire à mettre un baume apaisant pour les douleurs, s'il y en a encore pour l'instant, le temps que ça métabolise. Et puis, on profite aussi pour mettre dans toutes les parties du corps qui ont besoin, hein, pour les douleurs ou les inflammations, s'il y en a quelque part. Oui. Voilà. Donc, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, au niveau de l'estomac, des lourdeurs dans l'estomac, voilà, avec de l'anxiété. Regarde qu'est-ce qui se passe au niveau de l'estomac. Là, c'est l'épée qui était placée derrière et qui justement stagnait et s'arrêtait au niveau du ventre. Bien. Donc là, il en reste encore quelque chose? De l'épée, non, à part des mémoires traumatiques et des programmes de fonctionnement et de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complexité 1, 2, 3. Oui. Là aussi, on reconnecte et réinforme tout ce que de l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retisser ce que de l'être. Oui. En harmonie, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Comment tu vois son estomac et son système digestif maintenant? Libéré, il fonctionne normalement. Une circulation normale. Ok. Alors, elle a un voile dans les yeux, personne n'y trouve rien. Regarde de quoi il s'agit. Alors, je voulais préciser aussi qu'en début de séance, j'avais vu moi aussi et ressenti ce voile-là. Et que là, ensuite, clairement, il y a eu cette énergie d'épée qui illumine, en fait, un peu trop sa rétine. Ébloui, ça éblouit, tu veux dire, en gros. Ça éblouissait, voilà. J'ai vu aussi qu'il y avait des mémoires. Alors, je dirais que ce sont des liens, mais c'est des liens comme si c'était accroché à la pupille pour ne pas voir, en fait. Mmh. Des faits. Ben, comme ça me ramène un peu à ces mémoires antérieures au niveau du cou, mais ce n'est pas les mêmes. C'est-à-dire, c'est des faits aussi. Des faits d'horreur, j'ai envie de dire, d'assassinat. Voilà, c'est plutôt ça que ça me ramène en fait. D'accord. Et quel lien avec les yeux, assassinat? Voir, c'est-à-dire le fait d'avoir vu, par exemple, de ses yeux d'enfant un assassinat de son parent, par exemple. Alors, vois, regarde, alors, on ne va pas choisir un exemple, tu vas aller voir à l'événement, oui, juste pour savoir ce qui s'est passé alors. Regarde. C'est, pas, donc, c'est une mémoire que je viens de voir. Oui, bah, va voir alors, vas-y. Il y en a plusieurs, c'est pour ça que j'ai dit exemple. Mais... Ah. Alors là, c'est une petite fille de 8 ans. Je dirais que si tu es en Amérique du Nord, il y a des champs. C'est dans les années 1700. Et en fait, il y a comme des Indiens en fait, qui entrent et qui assassinent sous ses yeux son père, par exemple. Mmh. Sa mère qui est enlevée, enfin, il y a quelque chose comme ça. Et c'est à partir de là qu'il y a ces. Elle fait le vœu de ne plus jamais voir, en fait. Ah. Chose horrible. Et c'est pour ça qu'il y a ces liens-là qui sont tissés sur les pupilles aussi. D'accord. Donc, dans un premier temps, il faut qu'elle supprime ce vœu. Premier rang. Oui, c'est très lourd. Ok. Ok. Donc, elle supprime le vœu. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant, elle va couper tous les liens en relation avec la vue, le regard, etc. On est d'accord? Oui. Donc, elle les coupe tous également, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Tu vois d'autres choses à enlever? Non, j'ai vu des mémoires antérieures défiler d'enfants, en fait. C'est souvent enfants que ça arrivait. Mmh. Donc là, tout a été coupé, il n'en reste plus rien.
Oui, c'est bon, c'est coupé. Bien. Donc, maintenant, on va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Un apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Comment tu vois maintenant ses yeux ? J'ai plus la sensation du voile. Je sens que ça me tiraille au niveau des nerfs. C'est comme si voilà, ça se reconnectait en fait. Hein. Ah. Voilà, c'est des douleurs de reconnexion, j'ai envie de te dire. Ok, alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors, douleur au rein droit, regarde qu'est-ce qui se passe à son rein droit. Alors, j'ai cette énergie-là qui était aussi située au niveau du ventre, qui touche particulièrement le rein droit, la manière dont il est planté. Tu parles de l'épée ? Oui, de l'épée, oui. Je regarde s'il n'y a pas autre chose aussi. Parce que comme j'aperçois une sorte de masse sombre en dessous du rein, c'est pour ça. Oui, regarde, de quoi s'agit-il ? J'ai un lien avec un ancêtre de la lignée. Alors j'ai vu cet ancêtre habillé d'une certaine façon. C'était comme un ancêtre, comme un noble, j'ai envie de dire. Quelqu'un de haut placé dans la société. Et lui aussi, ah, je dirais, oui, voilà, on lui plante un couteau à ce niveau-là. D'où la masse, c'est là le lien que je vois. D'accord, et comment sait-il qu'elle est ce lien avec lui ? C'est un ancêtre, c'est lié directement, je ne sais pas, dans la lignée, comme tu dis, c'est un lien. Et puis, il y a cette résonance-là, toujours avec ces anciennes mémoires qu'on a vues avec les épées, en fait, toujours quelque chose de coupant. D'accord. Ok, bon, déjà, elle va couper les liens avec l'ancêtre de la lignée. 1, 2, 3, complicité. Oui. Et en ce qui concerne l'épée, regarde s'il reste quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut éliminer ? Oui, il y a des traces traumatiques avec écho et résonance. Et il y a des programmes de fonctionnement de l'élémental avec des programmes de compensation aussi par rapport au rein. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complicité. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Là, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Voilà, et on peut mettre. J'ai demandé qu'il mette un boom, mais bon. Regarde s'il a mis le boom apaisant là aussi. Non, ils n'avaient pas fait les organes. Il avait fait d'accord. D'autres parties du okay. Corps. Alors, il met un baume apaisant en attendant que tout se régularise. Oui, c'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Alors, eczéma sur les mains et sous les talons. Regarde, pourquoi d'eczéma ? Ah, l'élémental, il a des réactions, c'est par conséquence. Par rapport à cette bulle dans laquelle elle se trouvait, comme elle était accrochée par les épées, il y a quelque chose qui crispait. On avait parlé de cette énergie là qui crispait en fait les mains. Donc là, c'est une réaction de l'élémental et puis sous les talons aussi, puisque ça bloquait la circulation aussi dans les membres inférieurs. Bien. Bon, alors qui c'est toi qui reste éliminé maintenant ? Ce sont des mémoires traumatiques, des programmes d'habitude de fonctionnement de l'élémental avec de compensation de l'élémental aussi. Ok, donc on ne traite pas que l'eczéma, il y a aussi les crampes sous les pieds et les mains, les pouces qui vont en arrière, c'est ça ? C'est la même cause ? Oui, exactement. Donc on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Que chacune des parties concernées et l'ensemble soient reconnectées et réinformées. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré, synchronisé. Oui. Réaligné et retissé, ce qui doit l'être. Oui. Et là, on invite ton élémental à mettre un boom sur toutes les parties d'eczéma, mains, sous les talons, etc. Un boom résorbant et cicatrisant.
Oui. Voilà. En ce qui concerne les crampes des pieds et des mains avec les pouces qui partent en arrière, est-ce que tu vois que c'est résolu là? Oui. J'ai aperçu aussi dans les plis des genoux derrière un début d'eczéma aussi. Ah ouais, ça a été travaillé avec. Exactement, c'est pour ça que j'ai aperçu ça. Ok. On peut mettre des énergies spécifiques pour les pieds, les mains, pour les pouces. Oui. Allons-y. Oui. Ça Alors, dépend. stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Elle a un corps plantaire sous la voûte du pied gauche. Regarde pourquoi. Alors, comme elle est désancrée, c'est le programme artificiel d'ancrage en fait de l'élémental qui tente de s'ancrer. En fait, c'est comme si je voyais une espèce de gros cordon de grosses racines qui tente de, enfin, qui tente, ouais, de s'ancrer. Mais comme D'accord. déstabilisé par son ancienne situation, ça a créé ce corps-là dur, en tout cas. Donc ça fabrique le corps, ok. Bon, on va regarde qu'est-ce qu'il y a à éliminer maintenant. Il y a des mémoires traumatiques, des programmes de compensation et d'habitudes de fonctionnement et des programmes créés artificiellement aussi. Ok. Donc je suppose que son mental a remarqué que la situation a changé. Ah oui. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans complexité. 1, 2, 3. Oui. On va reconnecter et réinformer tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibrer, synchroniser. Oui. Réaligner et retisser. Oui. Comment est-ce que tu vois son ancrage maintenant? Ça se rééquilibre, c'est en train de s'équilibrer. Et j'ai les jambes qui vibrent aussi. Donc la circulation se recrée correctement, c'est fluide. Alors, on va inviter son élémental à installer une programmation de dissolution de ce corps plantaire. Oui. Voilà. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Maintenant, au niveau du diabète, qu'est-ce qui fait qu'il y a du diabète? J'ai eu la vision d'une grand-mère, c'est lié donc à l'arbre, qui elle-même était malade, mais je pense sans le savoir, elle, par contre. D'accord, donc il y a des liens à couper. Oui. Allez, elle les coupe également, comme précité. 1, 2, 3. Ah oui. Voilà. À part ça, tu vois d'autres causes? Alors j'ai le terme circulation, je ne sais pas au niveau de la circulation, par rapport à son ancienne situation énergétique. Celle-là, mais aussi celle d'avant, Ouais. aussi, elle contribuait. Circulation quoi? Du sanguin? En général, alors j'ai aussi le terme insuline, je ne sais pas si ça y joue sur la circulation de la glande, je ne sais pas. Qui produit l'insuline, quelque chose comme ça. Donc c'est dans ce D'accord. sens que je parlais de circulation. Ok. Je crois que c'est la rate, il me semble. Hein. Peut-être, ça me dit. Ah, c'est au-dessus, oui. Oui. Ok. C'est bon. Bien. Bon. Alors, qu'est-ce que tu vois qui est éliminé maintenant spécifiquement là? Alors, des mémoires traumatiques, des programmes de fonctionnement, de compensation de l'élémental. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans. Complexité. 1, 2, 3. Oui. Reconnecter et réinventer tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Regarde maintenant son taux d'insuline et regarde sa rate, comment tu les vois. Il y a quelque chose qui se résorbe. Je ne sais pas si normalement c'est anormalement. Je ne sais pas comment est la glande saine ou la glande malade. En tout cas, il y a quelque chose qui se résorbe et qui se rééquilibre. D'accord. Elle a besoin d'énergie spécifique? Oui, pour Allons-y. booster ou accélérer, oui, le processus. Ok. C'est bon. Alors, regarde le sang maintenant, comment tu le vois? Alors, oui, Donc tout là, en va. fait, c'est l'excès de sucre dans le sang, en fait. Hein. Donc, regarde comment tu vois maintenant son insuline là. Ouais, c'est correct. Le sang aussi.
Donc c'est bon, circulation plutôt fluide. Ok, alors stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, donc elle a un excédent de poids, regarde qu'est-ce qui se passe. Alors là, comme si, je ne sais pas si c'est lié, je dis je ne sais pas, c'est parce que comme tu as parlé du diabète juste avant, donc l'excédent de poids, ça me ramène au diabète en fait. Ah. C'est la cause liée au diabète en fait. D'accord, bien. Donc on va installer, on va demander à l'aide mentale d'installer une programmation d'amaigrissement, hein, Oui. pour quel est le poids idéal pour elle. En jouant bien sûr sur tous les systèmes concernés, hein, qu'ils soient endocriniens, circulatoires, métaboliques, enfin, etc. Hein. Il sait mieux que moi comment faire. Donc il installe une programmation. Quel est le poids idéal? Oui, c'est bon. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors, elle ronfle beaucoup. Regarde pourquoi est-ce qu'elle ronfle beaucoup. J'ai toujours cette épée là, en fait, qui empêche aussi la circulation des voies aériennes Ah, au niveau donc. de sinus, pardon. Alors, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer maintenant pour tout débloquer? Il y a des empreintes traumatiques, des habitudes de fonctionnement de l'élémental, des programmes de compensation de l'élémental, et il y a des programmes aussi qui sont créés artificiellement autour. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans de complexité. 1, 2, 3. Oui. Là, on reconnecte et réinforme tout ce qui doit l'être. Oui. Apport d'énergie et vitalité. Oui. Équilibré et synchronisé. Oui. Réaligné et retissé. Oui. Voilà, regarde dans le futur. Est-ce que tu vois qu'il y a encore des raisons de ronfler? Non, j'ai l'impression d'être ouverte là et que tout est circule et fluide. Bien. Non, c'est correct. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle situation lui fait ressentir? Il y a une forme de liberté en elle. Elle se sent enfin sereine par rapport à cette situation. Et du coup, ce qui découle, c'est de la joie intérieure. Il y a du plaisir à expérimenter dans ce nouvel état d'être. Alors, tu as pris le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici et maintenant, comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son alimental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, elle a des addictions, cigarettes et vin. On regarde qu'est-ce qui fait qu'elle soit addicte à la cigarette et au vin. Alors, la cigarette, alors c'est lié à l'arbre généalogique. En fait, ça me ramène toujours à un grand-père, un arrière-grand-père, qui fumait le cigare ou la pipe. Je vois, j'ai quelque chose comme ça. Et qui avait beaucoup de plaisir, mais qui en est décédée. Donc, suite à ça, donc c'est comme si elle avait des liens et des racines par rapport à ça. Et à travers lui, ou c'est lui qui vivait à travers elle, en fait. Ensuite, pour le vin, et le vin, alors il y a quelque chose comme une notion de se réchauffer de l'intérieur. Alors on va traiter le vin après alors parce que D'accord. on va déjà se concentrer sur la cigarette. Tu me dis lui à travers elle, c'est-à-dire que l'ancêtre serait encore ici? Bah, en lien, en fait, je dirais. En lien? C'est-à-dire qu'il Oui. n'a pas quitté les plans. Il n'a pas quitté les plans proches de la Terre, il est encore là. Ben, oui, on peut dire ça comme ça. En fait, c'est comme je. Oui, parce que je le vois, en fait. Donc, et en lien avec elle. C'est comme s'il le. Comment dire? C'est le verbe dépeindre. Dépeigner sur elle. C'est pour Oui, ça qu'elle a toujours cette sensation d'envie de fumer, en fait. d'accord, en fait, il recherche le même plaisir à travers elle, quoi. C'est ça, en gros? Oui, exactement. Bien, fais venir l'ancêtre devant nous là. Oui, c'est bon. Il est là. Il ressemble à quoi? Il est joufflu, je dirais. Un peu de cheveux comme ça, grisâtres. Il a un gros nez.
Et il a une pipe, c'est une sorte de pipe qu'il a. Et il est très joyeux, j'ai envie de dire que c'est la joie de vivre. Il fait froid là où il vit. J'ai même le terme bûcheron. Voilà. D'accord, bien, ok. Bon, demande-lui pourquoi est-ce que il est accroché comme ça à Marilyn. Qu'est-ce qu'il fait encore ici? Alors, c'est une sorte de loi d'attraction. J'ai par les chiffres, c'est-à-dire les chiffres, les dates de naissance, ces choses comme ça, dans l'arbre. Elle est en lien avec lui, par les dates de naissance, par les chiffres en D'accord. fait. C'est pas vraiment les mêmes dates de naissance, hein, mais c'est, je sais pas, il y a une loi d'attraction en tout cas. Et du D'accord. coup, Donc, ça ce l'a qui veut dire ramené. que l'ancêtre n'a pas quitté le plan, il est encore là, alentour, et en recherchant les mêmes sensations à travers Marilyn. Oui, il n'est pas très loin en tout cas. Bon, Oui. ok. Bon, demande-lui maintenant s'il a envie de changer, s'il a envie de changement, et s'il n'a pas envie de trouver mieux et de passer à autre chose. Il n'a pas l'air convaincu. Il avait l'air d'être bien dans cet emplacement-là. Oui, mais nous, on n'est pas d'accord. Donc, Ah oui. il va falloir qu'il décide. Parce que Thomas, on va le prendre pour lui, la décision. Bon, ben, si on lui demande de partir, il peut le faire. OK. Bon, alors pour ça, on va l'aider quand même, hein? Il est OK pour un petit coup de pouce? Oui. Allez, tu vas le connecter à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent? Il a augmenté ses fréquences et je le vois s'éloigner. C'est comme si il y avait déjà quelques liens qui avaient sauté avec lui. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Là, il veut partir le plus loin possible de la Terre, donc à la source. Allez, donc on va le connecter à la source. Pour cela, dis-lui que il est nécessaire qu'il récupère toutes les énergies qu'il a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'il coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Il se libère totalement et il libère tout et tous, en l'occurrence Marilyn. Oui. C'est bon? Bon, oui. Voilà. Donc maintenant, il va pouvoir remonter à la source. Allez. Je précise qu'il était en lien aussi avec un cousin Ah oui. des parents à Marilyn. D'accord, donc il y a un cousin qui peut avoir le même problème, tu veux dire? Oui. Ah oui. Ok. Bon, il est parti? Oui. Allez, on le salue et on le remercie. Oui. Ouf, je sens une libération là aussi. Bon, maintenant tu reviens sur Marilyn, parce qu'on n'a pas fini avec elle. Donc lui, il Oui. est parti, il n'y a plus de lien, il n'y a plus rien. En ce qui la concerne, elle, pour se débarrasser maintenant de cette addiction, puisqu'il en reste forcément quelque chose, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des habitudes de fonctionnement, des croyances aussi qui se sont installées, comme Quel quoi type? qu'elle n'y arrivera pas à se détacher, parce que c'est trop dur, pas de volonté, et des mémoires traumatiques autour de ça. Ok, bon, dans cette situation, c'était possible, hein? Maintenant, ça ne l'est plus. Donc, elle va s'installer la nouvelle croyance que maintenant, elle peut s'en détacher facilement et c'est ce qu'elle fait maintenant. Oui. Donc, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Faut éliminer aussi tout ce qui est en lien avec les rapports sensoriels, avec la conscience cellulaire, tout ce qui est en lien avec les sensations, le toucher, l'odorat, la vue, tu vois, tout ce qui est en lien avec les sensations de la cigarette. Oui. OK. Donc on élimine tout ça également sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc maintenant, elle va prendre conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque. Oui. Elle active tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Et elle se ressent dans sa véritable nature, dans cet amour qu'elle est, dans sa complétude, dans son infinitude, son éternitude, une sécurité intérieure et l'amour et une paix profonde. Oui. Comment vois-tu Marilyn à présent? Et une sensation de liberté
Et de respirer aussi correctement, sainement. Bien. Alors, tu vas dans le futur, au moment où auparavant elle aurait eu besoin de fumer, j'aimerais savoir comment elle se comporte. C'était lié à l'anxiété. Là, j'aperçois moins d'anxiété du coup. Et face à la cigarette, étant donné qu'il n'y a plus l'influence de cet ancêtre, elle ne ressent pas le besoin de prendre la cigarette en tout cas. Je ne la vois pas faire le geste. Eh bien, elle va même carrément fumer, carrément son essence. Allez, elle aspire l'énergie de son essence, elle fume l'énergie de son essence. Comment ça se passe pour elle? Elle se revitalise, pleine d'énergie, ça pétille. Elle se sent puissante à l'intérieur d'elle-même. Bien, ça lui fait ressentir quoi maintenant, cette nouvelle situation? En fait, il y a beaucoup de joie d'avoir le choix, de choisir en fait, de ne pas subir. Donc c'est la joie qu'elle ressent, avec du plaisir. Très bien. Alors, qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie séminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Maintenant, j'arrête l'enregistrement. Maintenant, on va s'occuper de l'addiction à l'alcool, le vin. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle soit addict au vin? Donc, je disais qu'il y avait cette notion d'affection, en fait, de cette notion de réchauffer de l'intérieur, se réchauffer. C'est comme s'il y avait un manque affectif. Voilà, le symbolisme du vin, en tout cas. C'est le fait de prendre le vin, c'est de se sentir en sécurité. D'accord. Bon, ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant pour éradiquer cela? Cette fausse notion, j'ai envie de dire. C'est des traces traumatiques, des habitudes de fonctionnement. Mais il y a aussi des programmes là qui sont installés comme des croyances. Que ça va là, c'est des programmes de sécurité, quoi. De sécurisation, exactement. Ok. Donc là aussi, on va travailler sur la conscience cellulaire, tout ce qui est en lien avec les sensations, etc. Ok. Oui. Voilà. Donc on élimine tout ça sous les plans complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et puis toujours en connexion avec la source, en ressentant sa nature essentielle, cet amour qu'elle est, elle peut se ressentir dans sa complétude, hein, sa sécurité intérieure, et ce fait de se sentir bien avec elle-même dans sa complétude. Oui. Comment tu la vois à présent? Je dirais qu'elle est en joie. Il y a beaucoup de joie dans son cœur de se sentir libre et sereine et complète de l'intérieur. Bien. Alors qu'il y a pas le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Elle ramène ici comme un téléchargement toutes ses parties, déjà prénommées, jusqu'au soi supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Donc, elle aimerait avoir un compagnon. Ça fait longtemps qu'elle est seule. Regarde qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui bloque. J'ai comme une sorte d'entité démoniaque, comme des murs. En fait, je peux appeler ça comme un mur sombre, en fait, qui m'envahit quand on a parlé de ça. Ouais. Avec des, donc je confirme qu'il y a des entités démoniaques aussi qui empêchent en fait les rencontres, qui empêchent justement le fait qu'elle soit en joie, en tout cas. D'accord. Sur l'ancienne ligne de temps ou sur cette ligne de temps encore là? Non, c'est sur l'ancienne ligne de temps. Ok, donc là, elles ne sont plus là. Non.
Alors, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer maintenant pour tout débloquer? Des mémoires traumatiques avec écho et résonance, des programmations avec les croyances aussi, des programmations de fonctionnement, quoi. Des programmations de fonctionnement, donc ce sont des croyances de fonctionnement au niveau du psychisme. Quel type de croyances? De devoir prendre l'habitude de rester seul, par exemple. Il y a cette sensation-là de solitude aussi, qui était liée en plus à l'arbre. Donc c'est tout un package, en fait. Ok. Bon, déjà avec l'arbre, elle va couper tous les liens. Oui. Allez, 1, 2, 3. Oui. Et elle va éliminer tout le reste. 1, 2, 3. Oui. Et toujours en connexion avec la source, elle va installer une programmation sur laquelle qu'elle mérite le meilleur, que tout lui est possible et que toutes les portes lui sont ouvertes. Celle des rencontres, et de l'abondance sous toutes ses formes, hein, qu'elle choisisse ou non de rencontrer quelqu'un, mais en tout cas que toutes les possibilités soient là. Oui. Voilà. Et maintenant, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Ça lui fait ressentir quoi? J'ai l'impression qu'elle grandit, qu'elle s'expanse, qu'elle se sent forte, puissante à l'intérieur. Il y a beaucoup de joie et de plaisir là par anticipation à faire des rencontres, à se sentir en confiance en fait, à être en confiance. Ok, alors qu'il y a plein de temps de le ressentir, de l'apprécier, de savourer. Oui. De télécharger dans toutes ces parties déjà prénommées jusqu'au soin supérieur. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà. Alors maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient présentes et les croyances qui y ont découlé. Oui. Il y a des programmations qui sont empilées les unes sur les autres. C'est très compact et très limitant, avec la croyance comme quoi elle n'a pas la connaissance et ni la puissance et la force nécessaires pour pouvoir les dégager de sa réalité. Ok. Donc, qu'en pense à présent toutes ces parties sur cette nouvelle ligne de temps avec tout ce qu'elles ont vu, entendu, compris et intégré? Maintenant, de la perspective de là où elle est, de cette expansion, c'est qu'elle peut se placer au-delà de ses programmations, tout en les dégageant de sa réalité en permanence. Alors, c'est ce qu'elle veut dire maintenant, elle va tout dégager. Qu'est-ce que tu vois qui reste? Des mémoires traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, complicité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et toujours sur l'ancienne ligne de temps, tu vas regarder son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Donc, j'ai beaucoup d'anxiété, de tristesse intérieure de ne pas arriver à dépasser ces états-là, de la nostalgie, de la culpabilité aussi, de se sentir toujours fatigué, de ne pas sortir la tête de l'eau. Il y a beaucoup de fuite d'énergie, un manque de confiance en elle qui s'installe, une fausse image, une illusion d'elle-même qui est créée. Ok. Nous allions avoir du côté des 5 blessures principales. Donc, je dois éliminer avant, non, ce qui reste. Non. Il n'y a pas de choses. Ah non, il n'y a rien éliminé pour l'instant. Là, tu m'as fait une description de corps émotionnel, d'accord? Du coup, là, c'est toi qui décroche. Tu m'as fait une description de corps émotionnel, on est OK? Hein? Là, on en est au stade maintenant, on va regarder du côté des 5 blessures principales, qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation et trahison, et injustice. Oui. Donc, lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimait-elle? Alors, il y a le sentiment d'injustice en premier lieu, de devoir vivre cette incarnation dans ces conditions-là, avec le sentiment d'humiliation, de ne pas arriver à dépasser ces états-là, ce qui la met dans des états d'anxiété. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir délaissée, laissée et abandonnée là dans l'incarnation. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et pour pouvoir avancer et maîtriser cette incarnation, elle s'est créée des bulles de protection avec la sensation d'éviter des pics de souffrance. Mais elle se coupe de ses connexions intérieures, ce qui aussi
épuise son énergie vitale, la fatigue énormément, ce qui crée aussi une fausse image d'elle-même. Voilà. Bien, donc là, je rappelle qu'il s'agit là de lancer une ligne de temps pour que tu aies des compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à supprimer de tout ça? Des mémoires traumatiques avec des habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tout ça sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Voilà, et toujours en connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui. Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. Chaque particule à l'intérieur sur et autour d'elle également. Oui. Comment vois-tu Marilyn à présent? Ça pétille, ça vibre, elle est expansée, il y a de la sérénité, de la complétude à l'intérieur d'elle-même. Il y a beaucoup de joie, c'est calme, donc de la joie et du plaisir aussi à vivre dans ce nouvel état d'être. Alors, qu'il n'y a pas le temps de le ressentir, de l'apprécier, de le savourer. Oui. Et elle installe une programmation selon laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même s'il est installé là dorénavant en permanence. Oui. Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elle soit familiale, amoureuse, matérielle, financière, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, qui se vit bien souvent par un traumatisme. Comment ça se passe pour elle avec ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions? Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire et de le ressentir qui elle est de son essence même divine, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les manifestations, les circonstances et quel que soit l'espace et le temps. Bien, et de le ressentir pleinement, bien sûr. Et ça, c'est la clé pour tout le monde. Et justement, que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant que Marilyn? J'aperçois comme si son chakra du cœur était ouvert, hein, qu'elle ouvrait ses bras pour aller vers quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus beau, donc reconnecter à soi, alignée, sereine, calme. Il y a beaucoup de joie et de plaisir. Alors qu'elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier, de le savourer, Oui. elle le rajoute à sa programmation Oui. et ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et elle se ressent pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle se ressent dans sa dignité et sa légitimité. Oui. Le sentiment d'être à sa juste place, où qu'elle soit et quoi qu'elle fasse, avec plaisir, joie et amour. Oui. Et le sentiment de sa propre valeur, quelles qu'aient été les expériences des passés, présents, futurs, elle sait que tout est juste, que tout a une fonction utile, et que tout a une valeur d'expérience et d'apprentissage, et même et surtout ce qu'on appelle l'erreur et le négatif. Oui. Elle repasse par chacune des vies vécues sur Terre et ailleurs jusqu'à la source, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme. Oui. Reviens ici et maintenant, la boucle est bouclée, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Comment vois-tu Marilyn à présent? Pleinement ancrée, alignée, une puissance intérieure, reconnectée. Elle est calme, sereine. Il y a beaucoup de joie. Ça pétille avec beaucoup de plaisir à vivre dans ce nouvel état. Bien, alors ça va être le moment des invitations. À nommer ses deux enfants avec leurs familles respectives, ses frères et sœurs et leurs familles également, la famille en général, les amis de cœur, un ami en particulier ou une amie, je ne sais plus, enfin la personne à laquelle elle pense en particulier, et puis les animaux, donc.
pour tous ceux qui en ont, hein, qui eux sont invités pour la douche finale. Elle montre à tout le monde le travail qu'elle est en train de faire et propose à chacun de prendre conscience et connaissance de leur situation respective sur tous les plans et de profiter de cette opportunité qui leur est offerte. Oui. Voilà. Est-ce que chacun choisit d'en profiter? Oui. Accepte-t-il avant cela un petit coup de pouce? Oui. Alors, puisque nous avons leur permission, en leur nom, nous allons pouvoir éliminer toutes les entités en lien direct et indirect avec chacun d'eux jusqu'au plan archaïque. Éliminer également tout dispositif, tout ce qui n'appartient pas à leur corps, énergie, conscience et information d'origine, avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Chacun rompt tous les pactes, les contrats, les permissions, les consentements, les accords, etc. Sur tous les plans, dans toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis de l'espace-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. Oui. Maintenant, chacun va couper tous les liens toxiques selon le terme générique que nous avons donc établi. 1, 2, 3. Oui. Et tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Chacun se place dans sa bulle classique de protection, se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa, programmé uniquement pour cette existence, se connecte à la source, travaille sur son arbre généalogique et sur son ADN, à l'instar de ce qu'a fait Marilyn pour elle-même, chacun, bien sûr, adapté à sa propre situation. Oui. Et continue jusqu'à la douche finale à laquelle, je le rappelle, tous les animaux sont invités. Oui. Tout le monde s'est mis à l'œuvre? Oui. Alors, nous allons passer au désincarné. On va regarder celle qui a été sa mère, qui est partie il n'y a pas très longtemps. J'aimerais savoir sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Elle est sur le plan astral, dans sa propre bulle. Je l'aperçois quelque chose comme accroupie ou quelque chose comme ça. Il y a de la confusion, voilà. Cherchez le mot. Ok, alors identifie-la. Regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Oui. Tu peux communiquer avec elle? Oui. Tu t'approches d'elle, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions et surtout qui nous envoie et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui. Alors, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Elle a augmenté ses fréquences, elle est sortie de cette bulle et c'est comme si elle se reconstruisait, comme si la confusion se dissipait et qu'elle revenait à elle en fait. Voilà. Que choisit-elle de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Elle choisit la source. Alors dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes les énergies qu'elle a laissées sur Terre et sur tous les plans et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui. Voilà. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Marilyn et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Il y a une énergie d'amour qui est dirigée vers Marilyn, qui l'englobe. Il y a des remerciements aussi pour les consciences qu'elle a croisées dans sa vie, qui l'ont beaucoup aidée. Et elle remercie aussi Marilyn pour ce qu'elle fait comme travail. Elle trouve ça très bien, elle en est fière. Voilà. Bien. Alors demande-lui avant de remonter si elle veut bien envoyer dans la lignée paternelle et maternelle de Marilyn des énergies et des informations pour que chacune des âmes désincarnées puisse avoir la même opportunité qu'elle. Oui. Alors, allons-y. C'est bon. Alors, maintenant, pour la remercier et la saluer. Oui. Elle est partie? Elle est en train, oui. Très bien. Donc, maintenant, ça va être le tour de celle qui a été sa belle-mère. Regarde sur quel plan tu la vois et dans quelle situation. Je dirais qu'elle est dans le moyen astral.
Et je l'aperçois étirée, longue, grande. Bon, je ne sais pas pourquoi. Dans sa propre bulle, hein, évidemment. Ok, donc tu peux communiquer avec elle? Oui, alors c'est comme si en fait une partie d'elle voulait rester sur Terre et une autre partie s'étirait vers le haut. C'est pour ça qu'en fait ça, je voyais quelque chose qui s'étirait comme ça. Elle est encore accrochée, attachée à quelque chose, c'est ça, sur Terre? Oui. Ok, c'est affectif. Oui, j'ai le terme mari qui me vient, je sais pas pourquoi. D'accord, ok. Bien. Alors, regarde. Donc, tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là. Tu peux communiquer avec elle, hein? Oui. Tu lui montres qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, quelles sont nos fonctions, et bien sûr, qui nous envoie, et demande-lui si elle veut que nous l'aidions. Oui, elle veut bien, oui. Ok. Donc, on la connecte directement à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour elle à présent? Ça fait comme un élastique, quelque chose qui relâche comme ça, d'en bas. Et elle sort de sa bulle pour redevenir elle-même et agir dans des hautes fréquences. Qu'est-ce qu'elle choisit de faire à présent? Est-ce qu'elle veut remonter à la source ou continuer son chemin en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir? Alors là, j'ai sa conscience qui l'amène vers la source. Très bien. Donc dis-lui que pour qu'elle puisse en profiter pleinement, il est nécessaire qu'elle récupère toutes ses énergies qu'elle a laissées sur Terre, sur tous les plans, et qu'elle coupe avec tout ce qu'il y a à couper. Elle se libère totalement et libère tout et tous. Oui, c'était de l'inquiétude qu'elle avait. L'inquiétude. D'accord. Avant de remonter, est-ce qu'elle veut s'exprimer envers Marilyn et tous ceux qu'elle a aimés et côtoyés? Elle la remercie chaleureusement de ce travail et de l'avoir aidée là maintenant. Elle lui envoie beaucoup d'amour, ainsi qu'à toute sa famille. Elle envoie bien sûr de l'amour aussi à toutes les consciences qu'elle a croisées sur Terre et que maintenant elle peut partir tranquille. Ok. Alors il y a un truc qui m'intrigue quand même. Donc la belle-mère de Marilyn, c'était la mère de son mari. Oui. Et son mari, il est décédé ou pas? Oui. Alors qu'est-ce qui fait que son mari qui est décédé, elle était encore accrochée à l'espace terrestre? J'aimerais comprendre là. Alors, j'ai l'inquiétude par rapport à son mari parce qu'elle ne le trouvait pas. Ah. Tu veux dire qu'elle les cherchait dans l'espace terrestre, c'est ça que tu veux dire? Oui. Ah d'accord, ok. Donc maintenant, est-ce qu'elle comprend qu'il a quitté ce plan? Bien sûr. Et qu'elle perçoit différemment maintenant aussi. Ah d'accord, ok. Bien. Bon, ben, on va la saluer, hein, et la remercier. Oui. Voilà. Elle n'avait rien d'autre à exprimer avant de partir. Hein. Non, c'est bon, on a tout dit. Très bien. On revient à Marilyn. Oui. Alors, regarde s'il y a des liens toxiques à couper. Oui. Donc, elle les coupe tous sur tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui. Elle coupe les liens de ses noms et prénoms avec le système de la fausse matrice. Elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver l'équivalent du numéro d'INSEE, puisque c'est le Canada, c'est Québec. Donc, avec duplication et copier-coller partout où il se trouve, elle ne conserve que ce qui lui est utile. 1, 2, 3. Oui. Couper et désactiver toutes les parties du corps qui sont à l'extérieur, que ce soit du sang dans le corps d'autres personnes, comme dans les dons du sang, ou du sang prélevé, stocké quelque part, des ongles, des cheveux, des cellules d'ADN, etc., sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps et toute bulle de création. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nano de tout ce qui est à l'intérieur de tous ces corps, subtils et physiques. Tout ce qui n'appartient pas à ces corps d'origine ou qui n'est pas issu de ses propres intentions ou créations volontaires, délibérées et éclairées. 1, 2, 3. Oui. Couper, désactiver, éliminer toute forme de nanotechnologie à l'intérieur, sur et autour d'elle. 1, 2, 3. Oui. À présent, elle va récupérer toutes les énergies et les informations qui ont été recueillis à son propos lors de sa première entrée dans cette fausse matrice. 1, 2, 3. Oui. On va éliminer tous les codes de vie qui ont été récupérés, déformés,
dénaturer, etc. Tout ce qui lui dessert. 1, 2, 3. Oui. On va couper aussi tous les liens corps, les liens archontiques qui se sont accrochés à ce moment-là également. 1, 2, 3. Oui. Et toujours en connexion avec la source, elle fait descendre information originelle, énergie et code pour réinformer et reprogrammer toutes les parties d'elle-même jusqu'à son ADN. Oui. Voilà, stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. De son espace moronciel, elle récupère toutes ses énergies. Oui. Activation du diamant du cœur avec à l'intérieur fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Connexion à la grille cristalline. Oui. Connexion à la grille magnétique originelle. Oui. Connexion à la particule adamantine originelle. Oui. Connexion au soleil central. Oui. Activation de l'implant neutre qui est, je le rappelle, le point zéro qu'elle peut activer à tout moment par l'intention. Oui. Et je rappelle qu'il ne s'agit nullement d'un implant, c'est juste une métaphore. Oui. Voilà, processus de rajeunissement et de régénération. Activation de la particule divine dans son cœur qui déclenche la fontaine de jouvence énergétique qu'elle peut ressentir et apprécier dès maintenant et dont tu peux profiter si tu veux. Oui. Activation des fonctions de l'ADN en lien avec la régénération et le rajeunissement. Oui. Programmer et informer la cellule mère de générer des cellules saines vigoureuses et en pleine puissance et connaissance de leurs missions respectives, en particulier celle de la régénération et du rajeunissement. Oui. Connecter la cellule mère au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Processus d'auto-guérison pour toutes les parties qui le nécessitent. Elle place sa conscience dans l'espace morentiel. Oui. Et pour chacune d'elles, elle fait descendre information originelle, énergie et code. Oui. Installe l'arbre de création et l'active dans les deux sens. Oui. Installation de fleurs de vie, graines de vie et double lémiscate activée. Oui. À présent, elle crée son baume de vie régénérant qu'elle applique à l'intérieur, sur et autour d'elle, partout où c'est nécessaire, y compris sur son corps comme un lifting et pour toutes les parties qui concernent l'eczéma, etc. Oui. Le programme pour être stable, équilibré et pérennisé. Oui. Avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent, j'aimerais que tu reviennes sur l'ADN et que tu me dises combien est-ce que tu as d'hélices, combien sont connectées et combien sont activées. J'en vois 8, il y en a 7 de connectées. Alors, est-ce qu'elle peut connecter la huitième et l'activer? Oui. Allons-y. C'est bon. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour elle. Ça va déployer des nouvelles énergies. C'est fait. Bien. Maintenant, donc elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Peux-tu me dire à présent combien de temps il va falloir pour métaboliser pleinement sa séance? À partir de 8 mois jusqu'à 10 mois. 8 à 10. De 8 à 10. Est-ce que tu as des effets rapides et lesquels? Oui, une joie de vivre qui s'installe à l'intérieur d'elle-même et l'envie d'avancer sereinement en fait. Donc il y a un bien-être général qui est là. Est-ce que tu vois des inconforts dus au processus de métabolisation durant ces 8 à 10 mois, plus ou moins, suivant bien sûr la qualité de ses compréhensions et surtout de ses propres attitudes post-séance? Il y a des étapes de stagnation parce que les anciens repères ne sont plus là, les nouveaux ne sont pas encore installés, donc le mental ego se sent en insécurité. Et il va rechercher ce qu'il connaît dans le passé pour le ramener dans le présent, d'où ces états stagnants. Ok, donc il suffira bien sûr à Marilyn, de se souvenir de ce qui a été dit, dans ce moment où lui semblera que les choses ne bougent pas, ou voire reviennent en arrière, ou même qu'elles s'accentuent, peu importe, en te rappelant que dans tout processus d'auto-guérison, c'est ce qui se passe, c'est une possibilité, et en restant confiante et optimiste, tu soutiendras toutes tes parties qui feront leur travail. Plus courte pourrait être la métabolisation et meilleure en qualité et en profondeur.
Autrement dit, la balle est dans ton camp. Et surtout, ce que je répète maintenant, c'est de ne pas faire de soins énergétiques et quantiques durant la métabolisation. Et pour soutenir toutes les parties de Marilyn, on va aller dans le futur, au moment où la séance est pleinement métabolisée, totalement réussie, dans sa meilleure version. Je veux savoir comment elle se sent. Elle se sent... Il y a une force intérieure, elle est sereine, avec une complétude, bien-être général. Elle sait ce qu'elle veut, elle avance, elle fonce même. Il y a beaucoup de joie et de plaisir à vivre dans ce nouvel équilibre et dans ce nouvel état d'être. Bien, tu vois que ça vaut le coup d'observer les recommandations. Maintenant, elle prend le temps de ressentir, d'apprécier, de savourer, de déguster. Oui. Et elle ramène tout ça ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties. Son mental égo, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie subliminale et toutes ses autres parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et pour chacune d'elles, ça devient du connu, de nouveaux repères, de nouvelles références et même des habitudes qu'elle peut programmer, installer et ressentir dès maintenant. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Voilà, maintenant on va regarder sa maison. J'aimerais que tu me dises comment tu la vois. Il y a des particules d'énergie de basse fréquence dans le domicile. Ça vient d'où ? De sa situation, de son ancienne situation. D'accord. Alors, si tu regardes les sous-sols, est-ce que tu vois des désordres géobiologiques, énergétiques, ésotériques ou autres ? Non. Bien. Donc, elle va faire une puissante tornade, elle va tout nettoyer à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Les caves, greniers, s'il y en a, dépendances ou autres, garages. Bien sûr, la mémoire des murs, les meubles, les objets. Enfin, partout où elle sait que c'est nécessaire. Oui. Et elle installe partout des fleurs de vie, graines de vie et double de muscat activées et sécurisées. Oui. Sur son compteur électrique, elle installe un gros diamant qui va transmuter l'énergie électrique en force de vie. Oui. Et par-dessus, fleurs de vie, graines de vie et double de muscat activées et sécurisées. Oui. Voilà, maintenant, sur tous les plafonds, elle installe un gros boîtier qui vont filtrer l'air et une nanotechnologie. Oui. Et produire par ailleurs un puissant effet Niagara, c'est-à-dire rafraîchissant et régénérant, qui favorise un sommeil profond, sécurisé, régénérant, avec une respiration ample, profonde, aisée, avec un son et un parfum qui se modulent et on sécurise. Oui. À présent, elle remplit de son espace, de sa présence et de son énergie. Oui. Elle le met dans une bulle critique de protection, elle également, et les autres occupants, s'il y en a et s'ils le veulent. Oui. Maintenant, tu vas programmer la sécurisation, la protection de tous les différents états de conscience et tu sécurises. Oui. Relier le début et la fin de la séance et tu sécurises également. Oui. Créer une bulle de l'instant présent et une bulle de fin de métabolisation complète, totalement réussie dans sa meilleure version. Oui. Les deux bulles fusionnent et s'expansent. Oui. Elle vibre, rayonne, irradie et pétille. Oui. À l'intérieur, son élémental qui se réjouit et qui s'ébroue. Oui. Toutes ces bulles de création et ces bulles d'intention qui sont comme une boîte à souhaits dans laquelle elle peut y mettre tout ce qu'elle veut réaliser, manifester, concrétiser. Oui. Et par-dessus, fleur de vie, graine de vie et double muscat activée. Oui. Et autour, le corps diamantin en protection contre les influences de la conscience collective. Et on sécurise. Oui. Maintenant, tu vas installer une programmation de sécurisation pour toute la séance et pour toute la phase de métabolisation du début jusqu'à la fin pour chacune, sur tous les plans, tout espace-temps, tout plan de réalité, toute ligne de temps et les plans fractales, multidimensionnels et quantiques dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Que chacune d'elles soit parfaitement sécurisée, inviolable et ininfluençable. Oui. Et maintenant, elle s'installe une programmation selon laquelle, lorsqu'il sera le moment de quitter son corps, quelle que soit la ligne de temps, son état ou la situation, elle le quitte en toute sécurité, souveraineté, liberté et plaisir pour remonter à la source ou continuer son chemin. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui.
et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Et tu les ancres bien. C'est bon. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et on va demander à son soi supérieur ce qu'il pense de ce qui a été fait. Que la connexion maintenant, elle est directe, libre et sécurisée avec lui. A-t-il des conseils à donner à sa partie physique qu'il écoute ? Que c'est depuis la partie physique qu'elle active cette connexion par la claire intention et par la confiance en ses propres capacités d'activation. Alors, il suffira, Marilyn, de se souvenir de ses recommandations et surtout de les mettre en pratique. Comment vois-tu son âme ? Elle est expansée, vibrante, elle a de belles couleurs, elle est joyeuse. Et la partie subliminale ? Elle s'est stabilisée, renforcée, proche de la partie physique. Bien, alors ça va être la fin de la séance. Nous allons les saluer sur cette nouvelle ligne de temps, dans ce nouveau partenariat avec elle-même et ses parties supérieures uniquement, bien sûr, et dans cette nouvelle version de Marilyn, en ce jour de renaissance pour elle. Oui. Est-ce que tout le monde a terminé le travail ? Oui. Alors, je rappelle que tous les animaux sont invités et chacun est invité à trouver son portail et sa cascade. Et sous cet eau de très haute fréquence, composée de sons, lumière, couleurs, énergie, rayons, parfums, géométrie, informations originelles, etc., chacun peut ressentir à l'intérieur, sur et autour de soi, toutes ces énergies et en profiter pleinement. Oui. Dans la cellule mère de chacun, on installe fleur de vie, graine de vie et double lémiscate activée. Oui. Connectée au chakra cardiaque, au cœur de Gaïa et à la source. Oui. Atome mère également. Oui. Particules de lumière mère idem. Oui. Et nous terminons par la douche christique, or, diamant et bleu. Oui. Et suivant notre propre échelle de mesure, quelle était la fréquence de Marilyn avant la séance et quelle est-elle à présent ? De 53 et maintenant de 186. Alors chacun sort de son portail, le ferme derrière soi et retourne à sa place respective. Oui. Est-ce que tu es prête pour le retour ? Oui. Alors c'est parti. Et 3. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Laetitia. Oui. Ça va ? Oui, ça va. Bon, à nous Marilyn, tu peux remettre le son et nous t'écoutons. Ok. Alors, comment c'était pour toi ? Est-ce que ça t'a parlé ? Tu as senti des choses ? Qu'est-ce que tu peux nous partager ? Maintenant, je me sens plus légère à l'intérieur. Ça, je le ressens, ça, par exemple. Puis, il y a beaucoup d'informations à comparer à la première session. J'étais surprise d'avoir une entité collée à moi avec la cigarette. Là. Un ancêtre, hein? Pas une entité, hein? Comment un ancêtre peut être là présentement, vu si loin? Comment? Comment un ancêtre peut s'est servi de moi, vu que c'est un ancêtre, il fait tellement longtemps qu'il est parti. Ah, tu sais, pourri. Le temps et l'espace n'existent pas, tu sais. Donc, il se peut qu'il soit resté à un attachement et que voilà, il se soit connecté à toi, comme à un cousin. D'ailleurs, tu m'as dit, il y avait aussi un cousin, il me semble. Voilà. Parce que lui, en fait, si tu veux, il aimait apparemment bien fumer et il était attaché à cette sensation de fumer. Et donc, il a suscité ça en toi, comme tu avais sûrement avoir des prédispositions émotionnelles. Donc, du coup, il a accentué le truc, quoi, tu vois. Oui, c'était un petit coquin. Mais qu'est-ce que tu veux ? Bon, sur certains plans, tu sais, quand les âmes n'ont pas évolué, puis qu'elles sont encore dans des attachements... Tu ne peux pas les juger, c'est comme ça. Hein? Non. Voilà. Non, exactement. Non, je veux juste vous dire encore un gros merci. Et en espérant que... Non. Je sais que tout va bien aller. Bien sûr, tu ne vas pas espérer. Tu considères que tout est acquis. Hein? Oui, c'est pour ça que j'ai changé le mot. Ah oui, j'ai bien vu. Bon, tu as compris que tout est une question de métabolisation. C'est une question de temps. Hein? Même si tu n'en as pas encore les preuves, tu sais bien que les choses sont déjà en route et qu'elles se... Elles se mettent en place à leur propre rythme. Tu as des choses qui peuvent être immédiates et puis d'autres qui peuvent prendre du temps, comme tu le sais. Hein?
J'ai juste hâte de me coucher ce soir et pas sentir mon cou tirer. Là. Tu le sens encore ton cou là pour l'instant? Ben, c'est sensible. C'est pire quand je suis couché. D'accord. Ben, tu verras et puis bon, ben, ça prend le temps de s'y apprendre. Hein. Ah, c'est oui. pas grave. Surtout, bon, ne t'inquiète surtout pas à propos de tout ça. D'accord? Oui, parfait. Donc, tu connais mon conseil de revoir ta vidéo. Comme tu disais, il y a beaucoup d'informations. Donc, bah, tu vas aller écouter. Tu as des compréhensions qui vont s'affiner au fur et à mesure des écoutes. Et dans ces moments de métabolisation où ça peut être inconfortable, eh ben, tu refais ta séance du début jusqu'à la fin. Tout en sachant, bien sûr, qu'au début, les entités ne sont plus là, évidemment. Ils sont vraiment partis, là? Ah bah oui, n'en doute surtout pas. Non, OK. Bah non, n'en doute surtout pas. On n'a pas travaillé pour rien, hein? Non, je sais. Voilà. En tout cas, encore un gros merci à vous deux. Merci à toi. Donc, bah écoute, j'espère que tu donneras des nouvelles par mail, me dire comment ça bouge pour toi. Hein? J'espère que ça va être plus tranquille qu'à la dernière fois, là. Oui, non, mais ça va être, bien sûr. Et puis maintenant que tu as compris les choses, quoi qu'il se passe maintenant, tu connais ma phrase fétiche, hein, même pas peur, même pas mal, plume de canard. Ouais. Et puis, comme tu disais, même tes enfants sont libres de leur propre choix. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse de dire, ben oui, ils ont leur chemin. S'ils ont besoin de ça pour comprendre, ça ne t'appartient pas. Tu peux que les accompagner de ton amour, c'est ça le truc, tu vois, hein? Ah oui, c'est ce que je fais présentement tout le temps. Voilà. Bon, donc quoi qu'il se passe maintenant, hein, tu sais que tu es invulnérable. OK, merci beaucoup. Bon, ta vidéo, finalement, je te laisse la récupérer, je suppose. On ne la publie pas? Oh oui, on va la publier. Ah, tu veux la publier? Ben oui, ça ne me dérange pas. Ah d'accord, OK. Bon, oui, bon. Si ça peut aider quelqu'un, là. Comme tu semblais hésiter. Ben, je n'étais pas certaine là, de la façon que j'allais dire mes choses. Je me sentais faible aussi. Là. Ben, oui. Et maintenant, tu te sens motivé. Ben, je me sens motivé un peu plus d'énergie. D'accord, OK. Bon, ben, c'est le début du commencement. Hein? C'est bien. On va te souhaiter une bonne métabolisation et puis à bientôt pour tes nouvelles. OK, merci beaucoup encore. Voilà, prends bien soin de toi et j'attends tes nouvelles. Merci, Laetitia. Voilà.